Salut tout le monde. Alors voilà, je vais vous présenter mon bouquin de cheval. Et en fait, c'est pour les dessiner. Donc ça s'appelle Tout pour dessiner mes chevaux. Alors, ça s'ouvre comme ça. C'est comme un petit sac aussi. Alors, en tout premier, là c'est ce qu'il y a. Bah, c'est voilà. Ici, nous avons les explications sur le cheval, c'est-à-dire l'encolure, la nuque, la tête, l'épaule, le garrot, le dos, le rein, la hanche, la croupe, voilà, plein de trucs comme ça. Ensuite, nous avons les dess un dessin qu'il faut apprendre, qu'il faut refaire. Voilà, donc ici. Là, nous avons les balzanes. Et ici, bah, c'est une fille qui a dessiné un cheval. Voilà, et elle m'aide. Donc ici c'est les robes des chevaux. Là il y a Isabelle. Là c'est Gris. Et ici c'est Alzan. Ici c'est Pi Alzan, Palomino. Et là c'est une fille qui est en train de dessiner un cheval. C'est une astuce pour faire les Pi Alzan. Donc si vous voulez je vous aide. Astuce pour dessiner les taches d'une robe Pi Alzan, utilisez un pinceau brosse bien sec et trempez-le dans la peinture marron. Tamponne de petites zones du corps du cheval. Voilà. Ensuite, là, c'est les explications sur la tête du cheval. Ici, c'est les taches. Donc là, nous avons belle face, la liste, et ici, c'est l'étoile. Donc elle a dessiné son cheval avec une étoile. Et là, c'est pour s'entraîner à dessiner les chevaux, encore une fois. Donc là, nous avons les races de chevaux. Nous avons un percheron, un frison, un pur sang arabe, un pur sang espagnol, une selle française, un appaloosa et un trotteur français. Ensuite, nous avons les poneys, le Shetland, le Haffinger et le Falabella. Ensuite, là, c'est le cheval dans son box. Et avec tous ses équipements. Les brosses, ben voilà. Ici, nous avons un cheval qui saute des obstacles avec tous les trucs qu'il faut savoir dessus. Enfin voilà, là c'est les selles, là c'est la selle mixte et la selle western. Donc voilà. Donc là c'est les équipements qu'il faut avoir pour l'équitation, la bombe, la cravache, la veste, le jot pur, une perche, je sais pas, et les bottes. Ensuite là c'est les allures du cheval au pas. Donc là, c'est les allures au pas, au trot, au galop, et là, c'est plein de dessins. Là, c'est. Désolée. Là, c'est Japelot, le cheval qui est. Le petit cheval qui a fait des sauts d'obstacles et qui a gagné les Jeux Olympiques. Là, c'est It's Ted, un autre cheval qui a gagné aussi, qui est un champion et qui est mort. Lui, il est mort d'une crise cardiaque et lui, il est mort de comment ça s'appelle? Une rupture aortique. Donc après ça, il a eu une crise cardiaque, bien sûr. Donc il est mort de ça. Devant son cavalier. Et là, Milton, un autre cheval blanc anglais qui a fait lui aussi des obstacles. Donc voilà, encore plein de dessins. Là, c'est le numéro. Si vous habitez à Nîmes et que vous allez à Collias, la rivière, voici le numéro si vous voulez y aller. C'est 06 06 79 72 38, 67, la balade à cheval dans la rivière. 66, 19,
79, 72, 38, 65. Donc voilà, c'est le numéro si vous voulez y aller. Bon, là, c'est encore plein de dessins. Là, c'est Spirit, les talons des plaines. Donc voilà. Encore plein de dessins. Je vais pas tout vous montrer parce que voilà, c'est des dessins. Et là, c'est des petits trucs comme ça, là, vous connaissez. Pour dessiner les chevaux, les selles, la cavalière. Plein de choses comme ça, j'en ai deux. Et là, c'est des autocollants. Et ça, c'est pour savoir la couleur des chevaux. Et là, il y en a un autre. Donc voilà. Et voilà. Donc j'ai été ravie de vous montrer mon petit sac à chevaux. Et voilà. Ciao.